tous et à toutes. Permettez-moi de vous rassurer, l'esclavage n'existe pas en Égypte antique, tout comme il n'existe pas de classe d'esclaves en Égypte antique. Oui, je sais, certains parmi vous qui refusent de comprendre me diront « Mais Diop Shekanta a dit qu'il y avait des esclaves en Égypte antique. » Et moi je dis que l'erreur est humaine. Diop Shekanta a utilisé les interprétations des historiens européens pour compléter son livre intitulé « Afrique noire précoloniale », dans lequel il affirme effectivement que l'Égypte antique pratiquait l'esclavage. Mais moi, tout comme l'illustre Nassar Kalala Omotunde, nous maintenons que l'esclavage n'existait pas en Égypte antique et en Afrique précoloniale, c'est-à-dire avant la colonisation du continent par les Européens et les Arabisés. Pourquoi suis-je en mesure d'affirmer que l'esclavage n'existait pas en Égypte antique ? Tout d'abord parce que je n'utilise pas les interprétations de ceux qui nous ont colonisés pour comprendre la culture de mes ancêtres. Comment croire que ceux qui ont commis de tels crimes contre l'humanité peuvent également écrire quelque chose de positif sur notre histoire? C'est impossible. Si cela était possible, ils n'auraient jamais commis l'esclavage et la traite négrière. Des malédictions qui seraient restées des idées dans les cerveaux malades de quelques individus. Ensuite, il y a le fait que je me base uniquement sur la lecture des hiéroglyphes, c'est-à-dire sur la lecture de l'écriture de nos ancêtres. Et selon cette écriture, le mot esclave n'existait pas en Égypte antique. J'ai déjà expliqué tout cela dans cette autre vidéo. Je vous invite à la regarder. Mais vis-à-vis de l'Afrique et du monde noir, on peut se permettre de raconter tout et n'importe quoi sans se soucier de l'origine étymologique des mots. Vous commencez déjà par une escroquerie intellectuelle. Vous utilisez des mots en disant que l'Afrique a eu une période de trafic humain, mais c'est quoi les mots? Et il ne faut pas me donner des mots arabes. Hein. Quand j'étais à Nantes, j'ai dit aux Nantais, comme c'est vos grands-parents, vos arrière-parents qui sont arrivés en Afrique. Bon, ils arrivent en Afrique, ils disent qu'ils veulent des esclaves. Mais le problème, c'est que comme ce mot-là n'existe pas, donc, on n'arrive pas à se comprendre. Et puis, imaginons que, comme vous êtes en train de fantasmer dans un truc, qu'il voit quelqu'un en esclavage au loin. Et il dit, ah, mais voilà ce que je cherche. Je cherche, voilà, ça. Et forcément, le gars lui répond, c'est-à-dire mon ancêtre à moi lui répond, ah, mais ce que tu cherches, c'est Bibi, Bibi. Je dis, ben, remplacez Bibi par un nom. Vous avez une série à 400 personnes. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut dire oui, voilà, vous voyez. Donc à partir de là, c'est simplement pour faire comprendre qu'il y a une distance entre le fantasme et la réalité. Est-ce qu'on peut montrer le premier document? Lorsque je suis dans les établissements scolaires avec donc, les enfants, les jeunes adultes, je leur demande, mais voilà deux First Ladies, Melania Trump et Michelle Obama, laquelle des deux vient du pays des esclaves? Tous les enfants répondent Michelle Obama. Mm-hmm. Je dis, mais non, parce que Melania Trump, elle vient de la Slovénie. Slovénie, c'est Slovaquie, Slavonie. Quand vous traduisez en français, ça vous ramène au Moyen-Âge Esclavonie. Esclavonie, c'est pays des esclaves. Ce sont des Slaves. Et il y a eu un documentaire qui est passé sur TF1 où on a été dans sa ville d'origine. Et jusqu'à un moment, on est arrivé sur le photographe qui a pris la dernière photo d'elle alors qu'elle voulait se lancer dans une carrière de mannequinat. La dernière photo d'elle, il montre cette photo sur l'écran à la télévision et il dit, voyez, voilà la dernière photo qu'elle a faite avant de partir pour le pays des Blancs. Moi, je suis dans un restaurant, je me lève, je dis aux gens, vous avez entendu ce que le monsieur a dit? Et les gens disent, mais ils ne comprennent pas parce que tout le monde est blond aux yeux bleus là-bas. Et c'est là que je leur ai dit, parce que ce sont ces gens-là qu'on a mis en esclavage pendant 12 siècles. Ce sont ces gens-là qui ont donné à l'univers esclavagiste sur le plan du champ lexical tous les mots. Beaucoup d'entre nous qui disent que l'esclavage existait en Égypte antique me montrent des images de captifs de guerre et me disent « Voilà, c'était des esclaves ». Il ne faut pas confondre captifs et esclaves et il faut remettre chacun dans son contexte. Commençons par le mot « esclave ». Qu'est-ce qu'un esclave? Le mot esclave désigne ceux et celles qui ont perdu leur liberté et leur libre choix, soit par naissance, soit par la capture, ou soit par la violence. Et dans les corps sont maintenant les biens d'autrui. Donc un esclave est caractérisé tout d'abord par la perte de sa liberté et ensuite par le statut de bien d'autrui. Qu'est-ce qu'un captif? Les captifs désignent ceux et celles qui ont été faits prisonniers.
Donc, par définition, un captif n'est pas un esclave et vice-versa. Donc, d'où vient l'interprétation qu'en Égypte antique, les captifs de guerre étaient des esclaves? Cette interprétation vient des historiens eurocentriques qui, bien évidemment, vont interpréter l'Égypte antique par rapport à leur propre culture. Vous rappelez-vous des propos d'Hérodote lorsqu'il voit pour la première fois les pyramides de Kama? Quand Hérodote voit pour la première fois les pyramides de l'Égypte antique, il ne peut s'empêcher de dire que de tels monuments ont forcément été construits par des esclaves. Parce que chez lui, en Grèce, ce genre de travaux n'aurait pas pu être bâti par le grec moyen, car ce dernier n'aurait jamais accepté d'accomplir une tâche aussi pharaonique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous sommes prisonniers de nos paradigmes culturels et qu'en réalité, on ne voit pas toujours la vérité. Mais très souvent, on voit ce que la culture nous a entraînés à voir. Et dans ce cas-ci, cela veut dire que le grec Hérodote n'a fait qu'interpréter l'Égypte antique par rapport à ce qui était vrai dans sa propre culture. Mais cela montre aussi que sa culture l'a rendu incapable d'imaginer autre chose que ce qu'il connaissait déjà. Et puis, savez-vous que, historiquement, on retrouve le fait que les armées romaines étaient essentiellement composées d'esclaves. Pourquoi? Parce que les Romains, qui étaient constamment en guerre pour agrandir leur territoire et assouvir leur expansion coloniale, étaient obligés, pour augmenter leur rang, de faire en sorte que les captifs de guerre deviennent automatiquement des esclaves. Ainsi, ils perdaient leur liberté et devenaient automatiquement les biens de l'armée. D'où le fait que les armées romaines étaient essentiellement composées d'esclaves. En fait, l'esclavage dans le monde romain résume à peu près à lui seul l'esclavage durant toute l'Antiquité. En plus de cela, pour Rome, l'esclavage est nécessaire et est même vital. Sans l'esclavage, la civilisation romaine n'aurait très certainement jamais prospéré. À Rome, l'esclave est considéré comme un bien. Par conséquent, lorsqu'un Romain a besoin d'un esclave, il va se ravitailler en esclave, comme on irait se ravitailler en olive ou en vin. Et il y a de nombreuses manières de se ravitailler en esclave. Il y a d'abord la guerre. Les Romains ont toujours été très conservateurs et éprouvé à l'égard des étrangers ce que l'on appellerait aujourd'hui de la xénophobie. Ils n'avaient donc aucun scrupule à les réduire en esclavage. Dans les premiers siècles de Rome, même si les Romains faisaient parfois des razzias pour récupérer des esclaves, ils préféraient en général soumettre les villes conquises et en faire des alliés de Rome. Mais quand ils tombaient sur un ennemi particulièrement décidé, ils n'hésitaient pas à transformer tous les prisonniers en esclaves. Lors de la conquête de la Grèce, les cités qui s'étaient alliées aux ennemis de Rome seront pillées et leur population sera réduite en esclavage. La conquête de la Gaule, elle, rapporte à Rome près d'1 million d'esclaves. Et je passe sur le sud et l'est qui fournissent également un nombre incroyable d'esclaves. Bref, la première source d'esclaves, c'est la guerre. Fort de cette nouvelle connaissance et du fait que les Locoderme affirment que leur culture découle de la culture gréco-romaine, essayez d'imaginer à partir de quel paradigme culturel les historiens eurocentriques vont interpréter l'Égypte antique. En Égypte antique, à Kama, les captifs de guerre ne perdaient pas leur liberté. Il leur était proposé deux choix, celui d'être tué sur le champ et celui de travailler pour le bien de l'État, et donc d'être soumis à la volonté du Nabissou. Et c'est dans cette perspective que l'on verra, tout au long de l'histoire de Kama, des captifs libyens, nubiens, syriens et autres se trouver intégrés dans l'armée Kami et reprendre des fonctions et positions militaires qu'ils avaient autrefois, mais cette fois-ci au service de Kama et du Nabissou, c'est-à-dire du pharaon. Pourquoi? Pour assurer la suprématie de l'armée Kami, en lui apportant les informations militaires et culturelles qui lui manquent pour mieux étudier l'ennemi, mieux le comprendre, pour trouver ses forces et ses faiblesses, et ainsi mieux le vaincre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire trois choses importantes. Premièrement, cela montre que la guerre de l'information n'a pas commencé récemment. Elle existe depuis des millénaires et l'Afrique noire a su y faire face.
Ensuite, cela montre que les organisations telles que le FBI et la CIA n'ont pas commencé avec les Américains. Ces organisations ont été inaugurées en Afrique par les Africains, car elles existaient déjà en Afrique noire, et cela depuis des milliers d'années. Et enfin, si les Camis pouvaient intégrer leurs ennemis dans leur armée tout en leur laissant leur liberté, dans le but d'obtenir des informations utiles, cela veut dire que contrairement à la culture grecque, la culture Camis, donc la culture négro-africaine par excellence, était capable d'imaginer qu'il existe des paradigmes différents et qu'il fallait impérativement les connaître. Les récentes découvertes de Lehner et de ses collègues ont bouleversé les connaissances communément admises sur la construction des pyramides. Pendant des siècles, on a cru que les bâtisseurs de pyramides étaient des esclaves. Hollywood entretenait le mythe d'une main-d'œuvre captive et asservie par le fouet. Mais un jour de 1990, une découverte remarquable brisa le mythe à jamais. C'est un touriste à cheval qui ouvrit une ère nouvelle dans l'étude des Égyptiens de l'Antiquité. Un sabot passa à travers le toit voûté d'une tombe scellée au temps des pharaons. Toutefois, l'homme inhumé ici n'était ni un roi, ni même un noble. Il était ouvrier. D'après le docteur Zahi Hawass, directeur du plateau de Gizeh, la conception et la construction de cette tombe laissent supposer que l'homme qui s'y trouvait n'était pas un esclave. Dans les mois qui suivirent la découverte de la tombe en voûte, le docteur Hawass et son équipe excavèrent plus de 250 autres tombes au même endroit. Ils avaient découvert tout un cimetière pour ouvriers. Cette semaine, nous avons mis au jour un ensemble de tombes qui font directement face à la Grande Pyramide. Ces tombes étaient utilisées pour enterrer aussi bien les chefs de chantier que les ouvriers ordinaires. C'est très important pour nous d'annoncer au monde entier que cette découverte réfute tous les mensonges qui voulaient que les pyramides auraient été construites par des étrangers, des habitants de l'Atlantide ou bien des Juifs. Ces tombes prouvent que tout ce qui a été écrit sur les pyramides, qu'elles aient pu être construites par des esclaves, est faux. Cette découverte prouve que les constructeurs des pyramides n'étaient pas des esclaves. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre ici? Il faut comprendre ici que la Grèce classique et l'Empire romain ne sont pas l'Égypte antique. Et ce n'est pas parce que l'esclavage existait dans la Grèce classique et dans l'Empire romain que cette pratique existait également à Kama, en Égypte antique. Je veux dire par là que ce n'est pas parce que quelque chose existe dans la culture leucoderme que cela doit forcément exister dans les autres cultures et vice-versa. Par exemple, l'homosexualité et la pédophilie étaient acceptées, pratiquées et même désirées dans la Grèce classique et dans l'Empire romain, au point même d'y être légalisées. Mais ce n'était pas le cas en Égypte antique et dans le reste de l'Afrique noire. Alors, d'où vient cette idée de l'universalité des concepts, comme si le monde entier était adepte à la pensée unique? Donc, n'abandonnez pas votre esprit critique au profit des interprétations des autres. Et surtout, arrêtez de répéter les interprétations des autres sur votre propre culture. En plus, les mots esclave et esclavage ne sont pas à utiliser légèrement. Par exemple, les historiens eurocentriques nous disent qu'il y avait l'esclavage en Égypte antique et en même temps affirment que ces esclaves avaient un état civil, qu'ils pouvaient fonder des familles, qu'ils pouvaient témoigner en justice, qu'ils pouvaient ouvrir des commerces, voyager librement, qu'ils pouvaient payer des taxes et qu'ils n'étaient pas les biens d'autrui. Et pour moi, cela est une contradiction totale, car tout ce que je viens de citer sont les attributs d'une personne libre. Prenez votre cas par exemple. Vous payez des impôts, vous n'êtes pas les biens d'autrui, vous avez une liberté de mouvement, vous pouvez témoigner en justice, vous avez des droits familiaux et vous avez un état civil. Êtes-vous un esclave ou êtes-vous une personne libre? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Récemment, un internaute m'a envoyé cette image. Et cette image, selon Wikipédia, représente des esclaves nubiens avec leur maître Camis. Selon Wikipédia, nous sommes en face d'un marché à esclaves. Et ces esclaves seraient des Nubiens en train de se faire compter et frapper
par des esclavagistes Kami. Ça, c'est l'interprétation eurocentrique de Wikipédia. C'est l'interprétation des historiens eurocentriques sur une fresque qui concerne nos ancêtres nègres de la vallée du Nil. Ainsi donc, aujourd'hui, je vous donne mon interprétation en tant qu'Africain sur une fresque qui concerne nos ancêtres. Vous jugerez par vous-même laquelle de ces interprétations correspond à la réalité. Premièrement, je confirme que sur cette fresque, il y a bien deux groupes sociaux, des Kushi et des Kami. Les Kushi sont assis et les Kami sont debout. On peut le reconnaître en observant attentivement leurs vestimentaires respectifs. Deuxièmement, vous remarquerez que les Kushi assis ne sont pas attachés et n'ont pas les mains et les pieds derrière le dos. En Égypte antique, sur les scènes de prisonniers, les prisonniers ont les mains et les pieds liés derrière le dos, comme vous pouvez le voir sur ces images. Au lieu de cela, nous voyons ici des Kushi assis avec les mains et les pieds libres de mouvement. Regardez celui-ci, il a une main derrière le dos et une main sur son genou. Celui-là a une main sur le genou et l'autre sur sa hanche, tandis que ces deux-là attrapent leur genou des deux mains. N'est-ce pas la preuve évidente que les Kushi présentés sur cette fresque ne sont ni des esclaves et ni des prisonniers? Troisièmement, les Kushi assis sont visiblement plus âgés que les Kami debout, ce qui veut dire que les anciens sont assis et les jeunes sont debout. Je vous rappelle que l'Égypte antique se situe en Afrique et qu'en Afrique, se tenir debout en présence de personnes assises symbolise un statut secondaire. Ce qui veut dire que sur cette fresque, les personnes les plus importantes sont ceux qui sont assis et non ceux qui sont debout. Donc, sur cette fresque, les Kushi, les anciens, sont plus importants que les Kami, les plus jeunes. Voici une preuve supplémentaire que nous ne sommes pas dans un marché à esclaves. Quatrièmement, par la coiffure portée par les Kami, nous savons que ce sont des scribes et des interprètes, car cette coiffure est la coiffure distincte des scribes et des interprètes. Observez la scène avec attention. L'un des interprètes, celui du milieu, est en train d'écrire quelque chose, tandis que celui au bout, à droite, la main sous le menton, est en train de réfléchir. Vous voyez les deux scribes sur la gauche? Ces deux-là sont en train de débattre sur l'interprétation de ce qui a été dit par les anciens. Ensuite, l'interprète Kami, qui a le bâton levé, ne fait pas face au Kushi, comme s'il était en train de les menacer. Il fait plutôt face à l'autre interprète, avec qui il débat, et cet autre interprète semble lui proposer par le geste de la main une idée ou une interprétation différente. En conclusion, cette fresque ne représente pas un marché d'esclaves. Elle ne représente pas non plus des esclaves Kushi en train de se faire compter ou frapper par leur maître Kami. Cette fresque représente plutôt le respect que portent les Kami pour la connaissance des Kushi. Cette fresque montre que les Kami sont en train de documenter et de traduire les connaissances des anciens Kushi. En fait, cette fresque représente une particularité de la culture africaine, le respect pour les anciens, tout en montrant l'importance qu'avait la connaissance pour les Noirs de cette époque. Et donc, si vous regardez cette fresque et que vous voyez des esclaves, au lieu de voir des gens libres, c'est qu'en réalité, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, vous êtes prisonnier du paradigme culturel des historiens eurocentriques. Et bien évidemment, cela montre aussi que vous ne savez pas reconnaître votre propre culture. Je m'appelle Citoyen Thomas. Merci pour votre participation et votre contribution. Si vous pensez que ce que nous faisons est important, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine. Vous voyez, on a presque le cerveau vidé et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça l'aliénation. Parce que vous demandez... Que valent donc ces arguments-là? Est-ce que j'ai inventé les projections que je vous ai faites? Que vous pouvez retrouver dans la vallée du Nil, où vous trouverez justement cette civilisation qui est discutée, ces agents qui se sont représentés plus noirs que vous-même. Mais déjà, vous avez des œillères de l'éducation colonialiste et vous ne pouvez plus voir cette réalité palpable. C'est ça la cécité intellectuelle. Vous comprenez? Où est la raison dans cette éducation? Où est la raison? Où est le développement du sens critique dans cette éducation? Voilà le danger contre lequel nous devons vous prémunir. Il faut que votre cerveau fonctionne. Je disais encore hier et je le répéterai demain.
que ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Et cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle de l'individu.